truth, so you can come and minister to us and speak to our hearts, and we're going to open our Bibles and our hearts in Jesus' name. Praise the Lord, everyone. Gloire au Seigneur, tout le monde. It is a great honor to be here with all of you. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous tous. And I'm actually very happy to be able to stand right here. Et je suis très content de pouvoir être debout ici. Or there. Ou là-bas. Because you don't have to have a mask on. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un masque. Anyways, I'm happy about that. Et je suis très content pour cela. But you all look great. Mais chacun d'entre vous, vous êtes très beau. And I'm so happy to be in the house of God. Et je suis content d'être dans la maison de Dieu. These are difficult times. Nous sommes dans des jours difficiles. But God is still God. Mais Dieu est Dieu. In good times and bad times. Dans les bons moments et les moments qui ne sont pas si bons. And he loves us with an incredible love. Et il nous aime d'un amour insondable. And I want to say it's a great honor to be here with all of you again. Donc encore une fois, j'aimerais vous dire que je suis honoré d'être avec vous tous encore une fois. I enjoyed the last time I was here. Et j'étais très content quand j'étais avec vous la dernière fois. And I'm so excited about this opportunity. Et je suis reconnaissant pour l'occasion qui m'est offerte. Thank you, church. Thank you, Bishop, for the opportunity to be here. Merci, Église. Merci, Frère Novaki, pour l'invitation. I'm very happy also to be with Brother McLeod. Et je suis très content d'être avec le frère Dan McLeod. Brother McLeod and I have been traveling quite a bit for the last month. Et le frère McLeod et moi, nous avons voyagé beaucoup ce dernier mois. We were just talking this morning about all of the miracles that we have seen in the last month. Et on est en train de parler, faire un petit peu le résumé de tous les miracles que l'on a vus ce mois de passé. Eyesight healed, hearing restored. Des yeux qui ont été ouverts. Louis qui a été retrouvé. Crippling conditions healed. Et des gens qui étaient paralysés, qui étaient guéris. People being delivered. Des gens qui ont été délivrés. People being filled with the Holy Spirit. D'autres remplis du Saint-Esprit. That's what Jesus loves to do. Voilà ce que le Seigneur Jésus aime faire. People being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. D'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sins being washed away. Et avec nos péchés qui sont effacés. And the love of God being shed abroad to our hearts by His Spirit. Et que son amour soit déversé par son esprit en nous. I've been in the ministry now for around 30 years. Cela fait à peu près 30 ans que je suis dans le ministère. And as I'm getting older, et alors que je suis un peu plus âgé, not old, just older, pas plus vieux, mais plus âgé. And as my hair is, well, it's changing colors. Mes cheveux, vous avez vu, ils changent un petit peu de couleur. Or changed colors. Ça change la couleur. I have found that the Lord, He is closer now to me than ever before. J'ai remarqué une chose, c'est qu'il semble que le Seigneur est plus près de moi maintenant que jamais. Simply because of daily communication with God. Et certainement à cause de la communication quotidienne avec Dieu. And learning when we go through trials, He doesn't leave us alone. Et ayant appris que même dans les difficultés, il ne nous laisse jamais tout seul. But that He's actually even closer at those times. D'ailleurs, il est même plus près dans ces moments-là. We serve an amazing God. Nous servons un Dieu admirable, incroyable. Who loves each one of us individually. Incroyable dans ce qu'il fait. Il nous aime individuellement. And as his body. Et nous sommes son corps. When Dan and I were not too long ago in the country of Moldova. Le frère Dan et moi, on était en Moldavie. God gave us a great opportunity to work with a team of aimers. Et le Seigneur nous a donné l'occasion de travailler avec des associés en mission. And then to go into one of the churches that was started not too long ago. Et nous sommes allés visiter une église qui a commencé il n'y a pas très longtemps. And there God began to move, but not in the way that I expected. Maintenant, le Seigneur commençait à agir, mais pas de la manière où je m'y attendais. We were noticing that people were not being instantaneously healed. On a remarqué que les gens n'étaient pas guéris, par exemple, instantanément. So the next morning when I got up to pray, I began to feel the weeping of Jesus. Et le matin, quand je me suis levé pour prier, j'ai ressenti comme le pleur quand le Seigneur pleurait. I cried together with the Lord. Him and I cried together. Et je pleurais avec le Seigneur. I could feel his weeping.
Je ressentais que lui aussi pleurait. Je ressentais. And then I asked God, what is wrong? Et j'ai posé la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? He said, I cannot bless my people. Et il me répond, je ne peux pas bénir mon peuple. I want to bless them, but I cannot. Je veux les bénir, mais je ne peux pas. Because they're begging from me. Parce qu'ils sont en train de me supplier. They're not believing in me. Ils ne me croient pas. Instead of walking side by side with me, au lieu de marcher côte à côte avec moi, they are begging from me. Ils sont en train de mendier. If they will walk with me in confidence, et s'ils marchaient simplement avec moi dans la confiance, I can bless them. Je peux les bénir. So Mark, teach them how to approach me correctly. Alors Marc, enseigne-les à s'approcher de moi de la manière correcte. And that's what we did. Et c'est ce que nous avons fait. We began to teach them how to approach God correctly. On les a enseignés comment s'approcher du Seigneur de la manière correcte. We had one lady come forward. Une dame est venue. You see, we cannot heal people, but Jesus does. Nous ne pouvons guérir personne, mais Jésus peut. We cannot fill anybody with the Holy Spirit, but Jesus baptizes with the Holy Spirit. On ne peut baptiser personne du Saint-Esprit, mais le Seigneur baptise du Saint-Esprit. And so we need to know how to approach him. Donc il faut que nous sachions nous approcher de lui. So I had the lady come forward. Donc cette dame s'est approchée. She had pain throughout her body. Elle était remplie de douleur. I had her follow the steps that I gave her. Et je lui ai donné des étapes à suivre. I didn't know it, but her eyes had gone cloudy. Je ne savais pas cela, mais ses yeux, sa vision était brouillée. And she could not see as clearly. Et elle ne pouvait pas voir clairement. I also did not know that she did not have the baptism of the Holy Spirit. Je ne savais pas non plus qu'elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit. As she followed the directions that I gave her. Et néanmoins, elle a suivi les directives que je lui ai données. And as she began to praise the Lord, et quand elle a commencé à louer le Seigneur, the Spirit of God fell upon her. Le Saint-Esprit est venu sur elle. The pain vanished from her body. Les douleurs sont disparues de son corps. God healed her eyesight. Le Seigneur a guéri sa vue. And baptized her with the Holy Spirit. Et l'a baptisée du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. God granted many miracles in that church. Et le Seigneur a fait plusieurs miracles dans cette église. And filled 10 with the baptism of the Holy Spirit. Et 10 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. And we give God praise for that. Et nous donnons toute la louange au Seigneur pour cela. Sometimes we struggle with our approach to God because we do not feel worthy. Quelquefois on a du mal à s'approcher du Seigneur parce que on se sent comme indigne. There is some truth to that. Et il y a une certaine vérité dans cela. Who of us is worthy to approach the King of Kings? Maintenant, qui parmi nous est digne de s'approcher du Roi des Rois? But he loved us so much that he gave everything so we could approach him. Mais lui nous a tant aimés qu'il a tout fait pour que nous puissions nous approcher de lui. In fact, he wants you to approach him with confidence. D'ailleurs, il veut que vous vous approchiez de lui avec confiance. He's our creator. Il est notre créateur. He's our father. Il est notre père. And if you cannot approach your father with confidence, et si vous n'arrivez pas à vous approcher de votre père avec confiance, knowing that he cares for you, sachant qu'il prend soin de vous, knowing that he's going to help you, sachant qu'il va vous aider, then there's something wrong with the relationship. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. There's nothing wrong with God. Il n'y a rien de mal avec Dieu. He's already done everything possible. De son côté, il a fait tout ce qui est possible. So that we could approach him with confidence. Afin que nous puissions nous approcher de lui avec confiance. And so it's very important that we know how to approach him. Voilà pourquoi il est important que nous sachions comment nous approcher de lui. And that we do understand. Et que nous comprenions. That it's important not to take him for granted. Qu'il est important que l'on ne prenne pas Dieu pour un fait accompli. But also, please understand today. Mais s'il vous plaît, comprenez aujourd'hui. That the Bible was not written for God. Que la Bible n'a pas été écrite pour Dieu. It was written for you. Elle est écrite pour nous. That means that every promise in the Word of God is for you. C'est-à-dire que toutes les promesses dans la parole de Dieu sont pour nous. And you must fight and approach God with boldness and faith.
que vous fassiez vigilance à vous-même et que vous approchiez du Seigneur avec foi et confiance. And take a hold of the promises of God. Et que vous saisissiez les promesses de Dieu. Amen. Amen. So I'm going to talk for a few moments about our identity. Maintenant, pour quelques minutes, j'aimerais vous parler de notre identité. I want to talk for a few minutes about a dream that God gave me back in November. Et je vais vous parler d'un songe que le Seigneur m'a donné au mois de novembre. And then we're going to read some from the word of the Lord. Et on va y lire aussi des versets dans la parole de Dieu. I had a dream back in November. Donc en novembre, j'avais un songe. In this dream I saw two men whose faces were blurred out. Blurred out. You couldn't identify them. J'ai vu deux hommes et leur visage, je ne pouvais pas les reconnaître, c'était trouble. I saw as these two men had a dream. Et j'ai vu qu'eux avaient un songe. And then I walked up to the two men when they woke up. Et quand ces hommes se sont réveillés, je suis allé vers eux. And I said to the one man, et j'ai dit à l'un d'entre eux, did you know that you dreamed your dream in this other man's dream? Est-ce que tu sais que tu viens de rêver un songe et tu as rêvé le songe de l'autre homme? He was shocked. Il était choqué. How could that happen? Comment est-ce que c'est possible? And then I spoke to him and said, you need to have your own dream. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu as besoin d'avoir tes propres songes. So in the morning I asked God about it. Et le matin en me réveillant, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? This is what God told me. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. The faces you could not identify because it applies to all people. La raison que tu n'avais pas une claire image des visages que c'était trouble, c'est parce que c'est l'identité de tous les hommes. To have a vision and to have a dream is two different things. D'avoir un songe et d'avoir une vision sont deux choses différentes. To have a vision is directional from God. La vision est une directive de Dieu. To have a dream comes out of the essence of who you are. Et le songe, c'est l'essence de qui nous sommes. To have a dream will create inspiration and motivation and purpose in your life. Avoir un songe, ça nous crée l'inspiration, ça nous donne une motivation et ça nous donne une directive dans la vie. And sometimes we go to work to a place that's not our dream. Quelquefois on va au travail dans un endroit qui ne fait pas partie de nos rêves. We're frustrated with it. On est frustré. We're not inspired by it. On n'est pas inspiré. And we create disciplines in order to make it day by day. Et on se crée des disciplines pour y arriver jour après jour. This also applies to the spirit world. Et ça s'applique aussi dans la vie spirituelle. It's very possible for you to live in somebody else's dream. Il est possible que vous cessiez de vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre. See, you need to understand the purpose for which you were created. Il faut que vous compreniez la raison pour laquelle vous avez été créé. God designed you in a special way. Dieu vous a créé d'une manière particulière. He created you for a purpose. Il vous a créé pour une raison particulière. And if you can find that purpose, et si vous arrivez à découvrir cette raison, you will begin to have inspiration. Vous serez alors inspiré. Motivation and purpose. Vous serez motivé et vous aurez une raison d'être. God told me, if you want to find out somebody's dream, ask them what their passion is. Si le Seigneur m'a dit, si tu veux savoir quels sont les rêves de quelqu'un, demande-leur quelles sont leurs passions. We need to find out what that dream is from God. Et il faut que nous découvrions quel est notre rêve, mais que ça vienne du Seigneur. I'm not talking about a hobby in your life when you get it tired and exhausted and you just go to do this so it will help you in your life. Maintenant, je ne parle pas d'avoir des habitudes ou des choses que l'on aime faire parce que quand on est fatigué, on n'a rien d'autre à faire, donc on essaie de se délasser un petit peu. I'm talking about the purpose for which you were created. Mais je parle de la raison pour laquelle vous avez été créé. My wife came to me and she said, Mark, ma femme est venue vers moi en disant, Marc, how come you can pray a long time? Comment se fait-il que toi tu peux prier longtemps? Usually you come out of the office, you're happy. En général, quand tu sors du bureau, tu es toujours content. But she said, for me, it's like work. Et pour moi, c'est du travail. I said, let me ask the Lord. Alors j'ai dit, ben, laisse-moi poser la question au Seigneur. So I talked to the Lord about it. Et j'ai parlé au Seigneur à ce sujet-là. And the Lord showed me that when I come into his presence, le Seigneur m'a montré que quand je venais dans sa présence, I'm talking to him about all the exciting things that he's doing in ministry.
Moi, je parle toujours au Seigneur de tout ce qu'il fait dans le ministère qui est très palpitant. I have a lot of questions. J'ai des questions. I ask him questions and he talks back. Et je lui pose des questions, il me parle. It's not work for me, it's exciting. Et pour moi, ce n'est pas du travail. Pour moi, c'est palpitant, j'en suis excité. The Lord had me ask her, what do you like to do? What do you enjoy? Alors, le Seigneur me dit de lui poser la question, qu'est-ce que tu aimes faire? She said, I love to build, I love to design, I love to decorate. Elle dit, ben moi j'aime bien construire, j'aime bien dessiner, j'aime bien décorer. I said, wonderful. Ben, je lui dis, c'est merveilleux. The next time you get a project, la prochaine fois que tu as un projet, which is every week, c'est-à-dire toutes les semaines, take it to God, amène-le au Seigneur, and talk to him about it. Et parle-lui de ce que tu vas faire. He's a designer. Parce que lui aussi, il aime bien dessiner. He's a decorator. C'est un décorateur aussi. He's the creator. C'est un créateur aussi. He's got lots of thoughts. Il a plein d'idées. And so the next time she went and talked to the Lord about a project. Alors la prochaine fois quand elle avait un projet, elle est partie parler au Seigneur. She was in there for a long time. Elle était là-bas pendant longtemps. And she came out with a smile on her face. Et quand elle est sortie, elle avait un sourire sur son visage. Because prayer should not be work, it should be fellowship. Vous savez quoi, la prière, c'est pas du travail, c'est une communion. It should be something you enjoy. C'est quelque chose dans lequel on a du plaisir. It should be the first thing on your thoughts in the morning. Ça doit être la première chose dans votre pensée le matin. I get the opportunity to talk to him. J'ai l'occasion de lui parler. I remember I told the Lord, Lord, I'm going to get up tomorrow at 6 in the morning. Et je me souviens une fois j'ai dit au Seigneur, je me lève à 6 heures demain. There was a lot of teaching on at that time about early morning prayer. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup au sujet des prières très tôt le matin. So I thought I'm going to try that. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais essayer. We were traveling around in the U.S. on deputation. On était en députation aux États-Unis. On était en train de voyager de ville en ville. And I remember I went to bed at night and I told the Lord, Lord, I'm going to be up early and I'm going to pray. Et je me souviens quand je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, je vais me lever très tôt pour prier. I went to lay down. Je me suis couché. And I felt the presence of God rush to me. Et j'ai ressenti comme quelque chose qui venait sur moi. La présence du Seigneur était là. I said, What do you want? Et je lui, pardon. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? He says, I am just waiting to be able to talk to you in the morning. Ben, je suis anxieux de te parler demain matin. He showed up 8 hours early. Il est venu 8 heures plus tôt. Because he was excited. Parce que lui aussi était palpitant pour me parler. Sometimes we have a hard time making it to the house of God. Quelquefois, nous, on a du mal à aller à l'église. Sometimes we don't even pray. Quelquefois, on ne prie même pas. But yet God holds us and keeps us safe. Et pourtant le Seigneur nous tient dans sa main et il nous protège. I want to talk a little bit about you for a few moments. Alors j'aimerais parler à votre sujet pendant quelques instants. In Ephesians chapter 1, dans Éphésiens chapitre 1, verses 17 through 23, we're going to talk a little bit about the body. Quand on parle du corps. Alain, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Merci. Ephesians chapter 1, 17 through 23, and then chapter 2, verses 1 through 6. Dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes Ephesians 2, right? Yeah, Ephesians chapter 1, verses 17 through 23, and then chapter 2, verses 1 through 6. Ah, ok. Alors, Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, nous lisons, so do you want me to read? Yes, sir. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir.
Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. God wants to give us understanding and revelation. Le Seigneur veut nous donner une compréhension et une révélation about Christ's ministry. Au sujet du ministère de Jésus-Christ. Why is this so important? Pourquoi est-ce que c'est si important? Because that's where we are. Parce que ça, c'est exactement l'endroit où on se trouve. Our identity is found in Christ Jesus. Notre identité se trouve en Jésus-Christ. The devil is going to work very hard to try and get you outside of Christ. Maintenant, Satan va essayer de faire des heures supplémentaires pour vous sortir de l'identité de Christ. He's going to remind you of your past. Il va vous rappeler constamment votre passé. He's going to twist truth. Et il va tordre la vérité. To make you afraid and make you ashamed. Il va essayer de vous faire peur et il va vous dire que vous devriez être honteux. Because if you will feel it, if you will receive the lies and if you will picture it, you will become that. Et si vous recevez ces mensonges et que vous les écoutez, vous allez le devenir. And that's where the devil can begin to destroy your life. Et c'est comme cela que Satan essaie de détruire votre vie. Because if you're found in Christ, mais si vous êtes lié en Christ, understand that he has raised you up together, qu'il vous a ressuscité, to sit with him in heavenly places, pour vous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Where is he sitting? Où est-ce qu'il est assis? He is sitting on the throne. Il est assis sur le trône. Far above all principality and power and might. Il est assis sur au-dessus de toutes les principalités. Every name that is named. Au-dessus de tous les noms qui sont nommés. Not only in this world but in the world to come. Non seulement dans ce monde mais dans le monde à venir. And he's put all things under his feet. Et toutes les choses sont sous ses pieds. Satan should be under your feet. Satan doit être en dessous de vos pieds. Shame should be under your feet. Les péchés doivent être sous vos pieds. Fear should be under your feet. La crainte sous vos pieds. Sin and lies should be under your feet. Les mensonges et toutes les autres choses doivent être sous vos pieds. Because in Christ Jesus there is no torment. Parce que en Jésus-Christ, il n'y a pas de tourment. But there is the love of God. Mais il y a l'amour de Dieu. And when his love fills us, et quand son amour nous remplit, he grants us peace to rule in our hearts. Il met la paix dans notre cœur qui règne là. He puts us into the shalom of his spirit. Il nous met dans la paix de son esprit. Where we become complete. Il devient là entier, complet en nous. Filled with his love. Rempli de son amour. In want of nothing. Et on a besoin de rien. Because he has become our everything. Parce qu'il est devenu notre tout en tout. Let's clap our hands in him. Applaudissons le Seigneur ensemble. Hallelujah. 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 Now I want you to pay close attention to this passage in 1 Chronicles 29 and verse 23. J'aimerais que vous fassiez bien attention à la prochaine écriture que nous allons lire dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. 1 Corinthians 29 and 23. Go ahead with that. 1 Chronicles, right? Yes. 29 okay. Verse 23. Donc 1 Chronique 29. And I'm reading 23. Mm-hmm. The verse 23 only. 1 Chronique 29 et au verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. It's about Solomon that sat on the throne? Yes. That, okay. Where did Solomon sit? Où est-ce que Salomon s'est-il assis? On whose throne? Sur le trône de qui? The throne of the Lord. Sur le trône de l'Éternel. This should not come as a big shock to us. Ça doit pas être choquant pour nous. Because we just read it in Ephesians chapter 2 and verse 6. Parce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2. But Solomon did not sit on the throne of David. Il n'a pas été assis sur le trône de David. He sat on the throne of the Lord. Il s'est assis sur le trône de l'Éternel. He spoke for God. Il parlait
à la place de l'Éternel. He spoke the wisdom of God. Il parlait la sagesse de l'Éternel. He spoke the knowledge of God. Il parlait la connaissance de l'Éternel. He was to represent the Lord in character. Il devait représenter l'Éternel dans le caractère. In word and in action. Dans ses actions, dans ses paroles. When we sit together with him in heavenly places, quand nous nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, Satan cannot touch you. Satan ne peut pas vous toucher. Fear cannot take a hold of you. Il ne peut même pas vous attraper. Lies cannot destroy you. Les mensonges ne peuvent pas vous détruire. Satan has no right over you. Il n'a aucun droit sur vous. Because the blood of Jesus is upon you. Parce que le sang du Seigneur Jésus the est sur vous. The Spirit of God indwells you. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. You are sitting with Christ Jesus. Vous êtes assis avec le Seigneur Jésus-Christ in heavenly places. Dans des lieux célestes. Just recently in the United States, récemment aux États-Unis, I was in a service where God gave me a word for the church. J'étais dans une réunion où le Seigneur a donné un encouragement à l'église que je visitais. I cannot remember, most of it I cannot remember. Maintenant, la plupart des choses, je ne m'en souviens pas exactement. But part of the word that the Lord spoke was this. Mais une des les mots que le Seigneur avait dit était ceci. He was speaking to the church. Il parlait à l'église. When you see yourself, you see your inadequacies. Quand vous vous regardez vous-même, disait-il, vous voyez tout ce qui ne va pas chez vous. You see your insecurities, your low self-esteem. Vous voyez que vous n'avez pas d'estime de vous-même et vous voyez aussi votre insécurité. But God said, when I see you, I see myself. Mais Dieu a dit, mais moi quand je vous regarde, je me vois moi-même. Woo, that is powerful. Ça c'est puissant. We need to see ourselves through the love of Jesus Christ. Il faut que nous nous regardions à la lumière de l'amour de Jésus-Christ. Stop letting the devil coach you on how to see yourself. Arrêtez Satan de vous raconter castement comment ça ne va pas chez vous. Start seeing yourself through the love of Jesus Christ. Voyez-vous vous-même au travers de l'amour de Jésus-Christ. Now I want to make you aware of the way that Satan communicates. Maintenant, j'aimerais vous mettre au courant comment Satan communique. Because it's very important that we put him under our feet. Parce qu'il est fort important qu'on le garde sous nos pieds. And so, just to make you aware, there are three different levels. En sachant qu'il y a trois niveaux, we can discern these three things. Et on peut discerner ces trois choses. He transmits desires. Il transmet des désirs. Or feelings. Des sentiments. For example, you may be in a city where there's perversion. Peut-être que vous êtes dans une ville, dans un endroit où est-ce qu'il y a la perversion. And if you feel that perversion in the city, si vous ressentez cette perversion dans la ville, and if you confess it as if you are making the sin, et que vous confessiez comme si vous faisiez le péché, then Satan can began to take advantage of you. Il va prendre là avantage de vous. Because he tricks you into thinking you are the problem. Parce qu'il vous a fait un croche-pied et vous êtes tombé dans son piège. Où est-ce que vous pensez que c'est vous le problème? Now here's another situation that I want to bring to our minds to help us with this. Une autre situation avec laquelle j'aimerais vous aider que nos pensées. I traveled to the country of Belarus. Quand je voyage, par exemple, en Biélorussie. When I got to the border, I felt great fear. Quand je suis arrivé à la frontière, d'un seul coup, la crainte s'est saisie de moi. And I asked the Lord, why do I feel afraid when I am not afraid? Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai tellement de crainte, mais j'ai pas peur? And the Lord said, there is a spirit of fear upon the soldiers, and they're transmitting fear to you. Et le Seigneur m'a dit, mais les soldats sont remplis de crainte et tu ressens la crainte d'eux qui vient sur toi. Et si tu acceptes maintenant que tu as peur, eux te contrôlent. We must stand steadfast in the faith. Nous devons rester droits et sûrs
inébranlable dans la foi. Resisting anything that is contrary to the word of God. En résistant à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. That's called the shield of faith. Ça s'appelle le bouclier de la foi. We've got to put up that shield. Il faut que l'on prenne ce bouclier. Resisting feelings and desires that are not from God. En résistant aux sentiments et des désirs qui ne viennent pas de Dieu. Because if you entertain the feeling, parce que si vous entretenez ces sentiments, the next level is lies. L'autre niveau qui arrive, c'est le mensonge. If you start believing the lies, si vous commencez à croire les mensonges, it'll take you to the next level. Ça va vous emmener dans un autre niveau. And that's called imagination. C'est l'imagination. Where he makes everything began to be complete in you to take advantage and control of your life. D'un seul coup, toute notre imagination devient presque réelle et on est complètement contrôlé par notre imagination. He wants you to see it. He wants you to believe it. Il veut que vous le voyez et que vous y croyez. So he attacks, he transmits feelings. Il attaque nos sentiments. Lies. Le mensonge. And pictures. Et les images. But the Bible says we are mighty through God. Mais la Bible nous dit que nous sommes forts. To the pulling down of strongholds. Où est-ce que nous mettons en bas toutes les forteresses? Casting down imaginations. Où est-ce que l'on met de côté toute imagination? Every high thing that exalteth itself above the knowledge of et God. Et tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Et on ramène toutes ces choses captives à l'obéissance de Christ. We must be aware of the tactics of the devil. Donc il faut que nous soyons au courant des tactiques de l'ennemi. Because Satan wants to destroy you. Parce que Satan a une chose en tête, vous détruire. He is intent on destroying anything that looks like Christ in this world. Son intention, c'est de détruire tout ce qui ressemble à Christ dans ce monde. If you began to look like a Christian, quand vous ressemblez extérieurement à un chrétien. If you begin to act like a Christian, quand vous agissez comme un chrétien, then you have an enemy. Alors vous avez un ennemi. That's going to try to destroy anything that looks like Christ. Qui va essayer de détruire tout ce qui ressemble à Christ. But we must stand strong. Mais il faut que nous restions forts. We must resist. On doit résister. And we must proclaim truth. Et nous devons proclamer la vérité with the power of God. Avec la puissance de Dieu. Now Satan only has he has manipulated the way God communicates. Et Satan manipule de la manière où Dieu communique. While Satan transmits feelings. Alors qu'il nous transmet des sentiments. God has allowed us discernment of spirits. Dieu nous donne le discernement des esprits. Hallelujah. Very important. We can discern the spirit of God. Nous pouvons discerner l'esprit de Dieu. We can discern demonic spirits. Nous pouvons discerner des esprits démoniaques. Human spirits. Des esprits humains. We can know what's from God and what's not from God. On peut discerner ce qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. If you lack discernment of spirits, si vous manquez de discernement spirituel, you are like a submarine that has no sonar. Vous êtes comme un sous-marin qui est au fond de la mer sans sonar. We see through a glass darkly. Vous regardez au travers d'un verre, mais tout est trouble. But if you don't have discernment of spirits, et si vous n'avez pas le discernement des esprits, you don't know where the enemy's at. Vous ne savez pas où se trouve l'ennemi. You don't know what he's doing. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait. And if you don't know what he's doing, how can you defeat him? Et si vous ne savez pas ce qu'il fait, comment est-ce que vous pouvez avoir la victoire? We must stay in Christ Jesus. Vous devez rester en Christ. Where Satan transmits lies. Alors que Satan est toujours en train de transmettre des mensonges. Where did he take it from? De où les a-t-il pris? He twisted the gifts of the Spirit. Il est en train de tordre les dons de l'esprit. He twisted the word of knowledge and the word of wisdom. Il est en train de tordre l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence. What about imaginations and pictures? Et les imaginations, c'est les images qu'on se fait. Imaginations is where the prophetic works. Et l'imagination, c'est là où le prophétique agit. It's the ability to see in the spirit. C'est la capacité que l'on a pour voir dans l'esprit.
Jesus said, I do what I see my father do. Jésus dit, je fais ce que je vois faire mon père. You see, Satan has manipulated the things of God. Satan manipule les choses de Dieu. Hallelujah. David spoke to Solomon. David, en parlant à Salomon, said Solomon. Et lui dit Salomon, get wisdom. Et la sagesse. Not just not carnal wisdom. Non pas de la sagesse charnelle. But the wisdom of God. Mais la sagesse divine. Solomon, get understanding. Salomon, il faut que tu aies de la compréhension. Understanding is discernment. Et qu'est-ce que c'est que la compréhension? C'est for le discernement. What purpose? Pour quelle raison? So that you can walk in the knowledge of God and the law of God and be successful. Afin de pouvoir marcher dans la connaissance de Dieu, dans la loi de Dieu et avoir du succès. We need the gifts of the Spirit in our lives. Donc nous avons besoin des dons de l'Esprit dans nos vies. So that we can communicate with God. Afin de pouvoir communiquer avec Dieu. So that we can know him. Afin de pouvoir le connaître. Did you know you can ask him and he hears you and will respond? Est-ce que vous savez que vous pouvez lui demander, il vous entend, il vous répondra? The devil doesn't do that. Satan ne fait pas ça. He transmits feelings to you. Il transmet des sentiments. And he manipulates your will by transmitting lies to you. Et il vous manipule votre volonté en vous mentant constamment. But look at the gentleman. Mais regardez un petit peu au gentilhomme. Whose name is Jesus. Qui s'appelle Jésus. Let me show you how God operates. Laissez-moi vous montrer comment Dieu opère. He does not force you with knowledge or wisdom. Il ne vous force pas à la connaissance et à la sagesse. But he wants you to ask of him. Mais il veut que vous la lui demandiez. Joshua goes to Jericho. Josué s'en va à Jéricho. And God gives understanding to Joshua on how to defeat Jericho. Et le Seigneur donne la compréhension, la connaissance à Josué comment gagner sur Jéricho. So God gave him a plan. Il lui donne un plan. He was victorious. Il était victorieux, n'est-ce pas? But did he ask for a plan about conquering Ai? Et il demande un plan pour vaincre Ai. No. He went in the confidence of that victory. Now let's say that again. I don't think I got it first. He did not ask for a plan to take Ai. Quand c'était pour Ai, il n'a pas demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire. He went in the confidence of his victory. Il est parti avec la confiance qu'il a obtenue dans sa première victoire. And because of that, people died. Et à cause de cela, les gens sont morts. He was ready to give up. Il était prêt à abandonner. No matter how confident you get in the victories of God. Peu importe combien vous avez confiance dans les victoires de you Dieu, still need the knowledge and the wisdom of God. Vous avez besoin aussi de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Because if you don't inquire of God, parce que si vous ne la demandez pas au Seigneur, you can be destroyed. Vous pouvez être détruit. So God says, get up. Donc le Seigneur dit, lève-toi. There's sin in the camp. Il y a des péchés dans le camp. Take care of that, and here's the plan on how to conquer Ai. Maintenant, prends soin des péchés et je te dirai comment vaincre Ai. You would have thought he would have learned. Vous auriez pensé qu'ils auraient appris. He did not. Ils n'ont pas appris. The Gibeonites come. Les Gibeonites sont arrivés. And they come to deceive Joshua. Et ils sont venus pour séduire Josué. And Joshua knew something was wrong. Non, Josué savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. But the Bible says he did not inquire of God. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas été consulté l'Éternel. And he allowed himself and Israel to be deceived. Et il a laissé Israël et lui-même être déçu parce qu'ils ont dit. Because they never asked. Parce qu'il n'a jamais demandé. We need the gifts of the Spirit. Donc nous avons besoin des dons de l'Esprit. It's the way God communicates with us. C'est de la manière où Dieu communique avec nous. We need to know how to communicate with God. Et nous devons apprendre comment communiquer avec Dieu. We need to have the gifts of healing for the restoration of people. Nous avons besoin des dons de guérison pour la restauration des gens. We need the gift of faith and the working of miracles to break the yoke of Satan off of our city and nation. Nous avons besoin du don de la foi pour que le Seigneur nous aide à rompre le joug qui est sur les gens et dans les villes dans lesquelles nous sommes. Everything we need is in Christ Jesus. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. I want us to stand together. Alors qu'on va se lever ensemble.
as I was on the plane flying here or towards Portugal, alors que j'étais dans l'avion ce matin, alors que je me dirigeais vers le Portugal, of the Lord began to move upon me. L'Esprit du Seigneur était en train d'agir sur moi. And I want to give you a word that God gave to me for you. Et je vais vous donner une parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Here is what the Lord told me. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Lucifer has built up a wall or a stronghold around France. Lucifer a construit une forteresse autour de la France. In defiance of me, says the Lord. En me défiant, dit le Seigneur. I will reach within Satan's stronghold and burst the walls asunder. Mais moi, je viendrai contre les forteresses de Satan et je viendrai les détruire. I will set the people free. Je donnerai la liberté à mon peuple. And all who hunger and thirst for me will find me. Et tous ceux qui auront faim et soif de moi me trouveront. The wall has already cracked and light is beginning to shine in. Les forteresses, les murs des forteresses sont en train déjà de se fendre et la lumière est en train de traverser les fentes. God has promised us victory. Dieu nous promet la victoire. And victory is here. Et la victoire est ici. Victory is now. La victoire c'est maintenant. Hallelujah. 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 God continue to speak to me. Seigneur a continué à me parler. He said this. Voici ce qu'il m'a dit encore. My people, you are beautiful. Mon peuple, vous êtes beau. You have prepared yourself. Vous êtes préparé. You are beautiful with myself. Vous êtes beau en moi. I have completed you and you have put me on. Or je... you have what is that word? Or like adorned yourself. Adorned yourself with je vous ai embelli et vous vous êtes paré de moi. You are my creation. Vous êtes ma création. And I am extremely jealous for my people. Et je suis extrêmement jaloux de mon peuple. You are mine and I am yours. Vous êtes à moi et je suis à vous. And you are my delight. Et vous êtes mon délice. You will declare my word to many people. Vous déclarerez ma parole à beaucoup. The people will be drawn to my beauty which is upon you. Et le monde sera attiré vers vous. Et ce que vous avez, c'est ma beauté. And they will inquire of you about me. Et ils vont vous poser des questions à mon sujet. And you must declare your love for me to them. Et vous devez leur déclarer votre amour pour moi. And through your word that I give to you. Et au travers des paroles que je vous donnerai. Many will be saved. Beaucoup seront sauvés. I want us to give thanks to God together. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Hallelujah. 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 Béni soit l'Éternel. Hallelujah. Béni soit l'Éternel. Hallelujah. 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 Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Merci Sauveur adorable. Hallelujah Jesus. Seigneur, je te bénis et je te loue aujourd'hui. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Seigneur, je te bénis. Je te célèbre et te glorifie. Hallelujah Jesus. Hallelujah. 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 Many people are wanting to go back to the way things have been. Beaucoup de gens veulent retourner dans le style de vie comme c'était avant. But I don't see that happening. Mais je ne sais pas si ça va arriver. I don't want to go back to the way we've been. Moi, je ne veux pas retourner comme c'était avant. I want to continue to grow in knowledge and understanding. Moi, je veux continuer de grandir dans la connaissance et l'intelligence. Let me just tell you clearly. Laissez-moi vous déclarer clairement. When COVID struck the world, quand la COVID a touché le monde, God initiated a plan. Dieu a donné un plan. He put a plan in place. Il a mis un plan en route. He began to shake the world. Il a commencé à secouer le monde. And Satan is working desperately. Et Satan est en train de travailler désespérément. To control the governments of the world. Pour contrôler les gouvernements du monde.
so that he can get ahead of God and destroy the harvest. Afin qu'il puisse aller un petit peu plus vite que Dieu pour détruire la moisson. But God in his great wisdom, mais Dieu dans sa grande sagesse, he is spoiling Satan's plan. Il est en train de détruire le plan de Satan. He will bring him to his knees. Il le ramènera à ses genoux, sur ses he genoux. Will crush him under the feet of the church. Il lui écrasera la tête par l'église. And people will be saved. Et il y aura in every un peuple nation qui sera sauvé dans tous les pays, the world. Dans le monde entier. Hallelujah. Furthermore, God showed me this. Le Seigneur m'a montré ceci. God showed me every nation. Il m'a montré toutes les nations. That there is a door to every nation. Il y a une porte dans chaque nation. He showed me every door open to every nation. Il m'a montré que la porte pour toutes les nations, chaque nation qui a une porte, est ouverte. But not just open. Mais ça pas simplement ouverte. It was blown open. C'était ouvert d'une manière qu'on ne peut pas la fermer. And God said, I'm going to break the yoke of Satan. Et il veut briser le Seigneur, le joug de Satan, off of every nation, dans chaque nation, so that I can bring people to myself, afin qu'il puisse ramener le monde vers lui-même. But let me tell you what else is happening. Et laissez-moi vous dire encore ce qui se passe. There is a great awakening getting ready to take place. Il y a un grand réveil qui se prépare. When an awakening takes place, et quand ce réveil arrivera, thousands of people turn to God. Des milliers de gens se tourneront vers le Seigneur. This is what is getting ready to happen. Voilà ce que le Seigneur prépare. But what God must have. Mais le Seigneur doit avoir. God must have ministers. Le Seigneur doit avoir des ministres. He must have workers. Il faut qu'il ait des ouvriers. For his harvest. Pour sa moisson. God is not going to lose this harvest. Et le Seigneur ne perdra pas cette moisson. Let me tell you by the word of the Lord. Laissez-moi vous déclarer par la parole de Dieu. God will raise up people. Le Seigneur va lever des gens. It doesn't matter where they're at. Et qui n'auront qui regardent ni à droite ni à gauche. What society, what culture? Ni la société ni la culture. He will raise them up. Il va les lever. To save the hungry. Pour sauver ceux qui ont faim, to feed the hungry, afin qu'ils soient nourris, to give water to the thirsty, pour donner à boire à ceux qui ont soif. But I say, God, use me. Et je dis, Seigneur, utilise-moi. Work through me. Seigneur, œuvre au travers de moi. Me voici. Speak to me. Parle au travers de moi. Show me what you're doing. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois Let's faire. Talk to him together. Let's talk to him. Donc prions le Seigneur pour cela. Alléluia. Demandons au Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Hallelujah, la in the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. You can feel the touch of God. Est-ce que vous ressentez la you présence can feel de Dieu? The miraculous. Le Seigneur est au milieu de nous. It's God saying, I'm ready. Le faiseur de miracles est au milieu de nous. I'm with you. Et il nous dit, je suis avec vous. I'm for you. Je suis pour vous. No demonic power can pull you down. Aucune puissance ne peut vous mettre en bas. Because you're with Jesus. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Work together with him. Travaillez ensemble Follow avec le Seigneur. Him. Donnez-vous au Seigneur. Get ready because it's now. Préparez-vous parce que c'est now maintenant. Is the time. Maintenant l'heure est venue. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, halamakolo musanda la masia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, merci Seigneur Jésus. Église, continuons. Amen. Utilise-moi, Seigneur.